À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Pourquoi existe-t-il une journée de la femme? La première raison est historique. C'est le 8 mars 1917 que les femmes russes obtenaient le droit de vote. Dans la ville de Saint-Pétersbourg, des ouvrières ont fait grève pour lutter contre le pouvoir du tsar et demander du pain et la paix. En ce temps de guerre, des milliers de soldats étaient morts au combat et la société avait grand besoin des femmes pour fonctionner. Les ouvrières ont été écoutées. Le tsar a abdiqué et le nouveau gouvernement a accordé aux femmes le droit de voter. Bravo les femmes! En France, les femmes ont eu le droit de voter et d'être élues en 1944. Avant, aucune chance pour elles d'accéder au pouvoir politique ou de devenir présidente de la République. Ces exemples montrent que les droits des femmes sont en retard sur ceux des hommes. Le 8 mars est l'occasion de réfléchir aux moyens de rattraper ce retard et d'arriver à l'égalité des droits et des chances pour tous, hommes et femmes. En 1977, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a déclaré officielle la Journée internationale des femmes. Quand on sait que le but de l'ONU est de maintenir la paix, on comprend la raison d'une telle journée. Faire progresser les droits des femmes, c'est faire progresser la paix. Car si une partie de l'humanité, en raison de son sexe, sa religion ou ses origines, est maltraitée, la paix ne peut pas exister. Mais le monde change. En 1920, les États-Unis accordaient le droit de vote aux femmes. Moins de 100 ans après, en 2016, Madame Hillary Clinton pourrait bien gagner les élections présidentielles américaines. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.